Je récapitule, dit Victor. Tu veux que je vole les bijoux de ton oncle et de ta tante, que je les apporte à mon père, que je prenne mes affaires et que je revienne te chercher ici pour t'amener au lac Pantcharevo. Voilà. En Bulgarie, c'est ça? Oui, c'est à côté de Sofia, la capitale, explique Yazel. C'est là que mes parents sont tombés amoureux, alors je veux jeter leurs cendres dans le lac. La respiration de Victor s'accélère. Ses mains sont moites et de la sueur perle sur son front. Non, 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 c'est hors de question, c'est insensé, on ne peut pas faire ça, c'est trop dangereux. Si on se fait arrêter, on ne se fera pas arrêter. Yazel semble confiante et Victor se demande où elle puise cette assurance. Il met ça sur le compte de son jeune âge et d'une certaine naïveté. Mais Yazel n'est pas naïve, elle est déterminée. On aura commis plusieurs délits, vols, effractions, et pour moi, enlèvement d'enfants. Tu ne m'enlèves pas, puisque je suis consentante. Va expliquer ça à la police. De toute façon, comment la police pourrait nous identifier? Tu crois que ta famille de braqueurs va nous dénoncer? Peut-être pas, mais les policiers ne sont pas idiots. Ils font des enquêtes, des barrages routiers. Tu vois bien comme je suis angoissée rien que d'en parler. Il y aura un néon orange clignotant sur mon front qui dira « Coupable, coupable !» Mais non, regarde-nous, dit Yazel. On ne ressemble clairement pas à des gangsters. Allez, s'il te plaît, emmène-moi avec toi. Non, c'est trop dangereux. Je ne peux pas faire ça. Et en plus, tu dois aller à l'école. Au collège, rectifie Yazel. Je m'en passerai sans problème. Je sais que ce n'est pas très marrant le collège, mais... Tu y apprends quand même des choses, écrire, comprendre l'histoire de France, disséquer des poissons, calculer le volume d'un cylindre, jouer de la flûte à bec. Tu sais faire tout ça, toi? À peu près, dit Victor. Enfin, j'ai pour principe de ne disséquer personne, ni humain ni animal. Alors t'auras qu'à m'apprendre ce que tu sais. Victor a beau se répéter que c'est une idée dangereuse et complètement stupide, qu'elle le mènera tout droit en prison, et qu'il est hors de question qu'il fasse un truc aussi fou, il n'arrive pas à se convaincre. Au fond, ça lui fait trop envie. C'est l'excuse parfaite, l'élan qui lui manquait pour enfin oser s'enfuir. Et puis, il y a quelque chose chez cette gamine, sa détermination, sa spontanéité peut-être, qui le touche furieusement, qui lui saute à la figure et qui lui donne envie d'être là, pour elle. « Si on se fait contrôler, » dit Victor, pensif, « on est fichu. Sans autorisation de sortie du territoire, pour toi, on sera tout de suite arrêté. Et après le passage des frontières, ça va être risqué. Il va falloir être malin, très malin. Donc, ça veut dire que tu es partant ?» s'exclame Yazel, qui n'y croit pas tout à fait elle-même. Victor soupire. Je ne sais vraiment pas pourquoi je fais ça. C'est complètement dingue.